penses-tu? À nous. À nous. Et à ta femme, que tu ne quitteras jamais. Mais comment veux-tu? Puis tu sais bien... Oui, je sais. Les affaires, les capitaux, la clientèle. Ne te fais pas de reproches. Non, tu ne me fais pas de reproches, mais nous ne pouvons plus passer 2 heures ensemble sans parler d'elle. Que veux-tu que je fasse? Mais rien, mon pauvre chéri. Rien. Seulement... Seulement? Non. Non, pas maintenant. Plus tard. Écoute, on dirait vraiment que tu le fais exprès. Nous sommes là, bien tranquilles, avec une soirée devant nous, putain. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J'ai quelque chose à dire, oui, mais... Pas facile. Tiens, donne-moi une cigarette, tu veux. Alors, vas-y, je t'écoute. Qu'as-tu à me dire? Je vais partir, Claude. Partir? Au Canada, probablement. Bah, je sais bien que tu aimes voyager, mais enfin, tout de même. Tu viens à peine de rentrer. Il ne s'agit pas d'un voyage, cette fois. Je vais vendre cet appartement et partir définitivement. Non, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Non. C'est une solution. Et probablement la seule. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Tu es donc tellement malheureuse? Non. Mais j'ai 30 ans, Claude. Je ne veux pas passer ma vie à attendre. Et d'ailleurs... Oui. Attendre quoi? Que ta femme tombe malade ou qu'elle soit victime d'un accident. Je sais bien qu'il y a des milliers de morts sur les routes, mais ce sont rarement ceux que l'on voudrait. Oh, tais-toi, tu es cynique. Ah, oui, ça, bien sûr. On ne parle pas de ces choses-là, n'est-ce pas? Ose me dire que tu n'y as jamais pensé? Bon, écoute, parlons plutôt du Canada. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une amie qui est installée là-bas et que j'ai retrouvée par hasard. Elle est directrice d'une revue de mode. Elle me propose d'y travailler. Ouais. Et tu es sûre qu'il s'agit d'une amie? Mais oui. Pourquoi? S'il s'agissait d'un homme, je te le dirais aussi bien. Je suis libre, moi. Ouais. Alors tu en as assez, tu veux me quitter. C'est ça? C'est ça, oui. À moins... Ah bien. Est-ce que ta femme sait nager, dis-moi? Nager? Plutôt mal, pourquoi? J'ai fait un rêve bizarre la nuit dernière. J'ai rêvé que ta femme et toi vous tombiez dans une rivière, en voiture. Tu réussissais à t'en sortir, de justesse, mais tu ne parvenais pas à sauver ta femme. Tu es sûr que... Tu es sûre que tu dormais quand tu rêvais ça? Quelle importance. Ce qui compte, c'est que l'idée soit valable. Non? Quelle heure est-il, Dansel? 5:00, commissaire. Ah, bon sang de bonsoir, si Dubois n'arrive pas, je suis bon pour aller jusqu'au bout, moi. Téléphone, commissaire, sur la première, votre femme. Oui, merci, je prends. Fermez la porte, voulez-vous? Allô? Allô, Jacqueline? Ben oui, que veux-tu? Oui, une tuile de dernière minute et Dubois n'est pas arrivé. Ben, en mettant les choses au mieux, je ne serai pas là avant 1 heure. Ah, tu n'as qu'à te coucher, ne m'attends pas. Quoi? Non, rien de très spécial, une voiture qui est tombée dans la Seine. Et l'ennui, c'est qu'une femme est restée à l'intérieur. Oui. Oui, oui. Tiens, attends une seconde, voilà Dubois.
Bonsoir, vieux. Bonsoir. Bon, écoute, chérie, je passe les consignes et j'arrive, hein. Oui, je serai là dans une petite demi-heure. À tout de suite. Ah, pas fâché de vous voir arriver. Vous êtes au courant? Lancel vient de m'en toucher deux mots, oui. Ah, moi qui espérais profiter de ma nuit pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Enfin, où en êtes-vous? Sur place, c'est terminé, j'en reviens. J'ai fait conduire le corps à la morgue et j'attends le type d'un moment à l'autre. Oui, on est en train de lui chercher quelques vêtements secs. C'est arrivé comment, au juste? Bon, l'histoire classique du monsieur qui a passé une trop bonne soirée. Il est descendu sur les berges à 80 à l'heure et il a continué tout droit. Même pas donné un coup de frein. Bah, il y a pourtant des barrières, non? Si, oui, pas faites pour retenir un bolide de 1500 kilos. Mais le choc a dû être très violent et c'est probablement ce qui a coûté la vie à la femme. Elle a dû être assommée. Et lui? Il dit qu'il est sorti par l'avant, le pare-brise ayant volé en éclats. Il a replongé deux fois pour essayer de sortir sa femme, mais c'était trop profond, alors il n'a pu rien faire. Qui est-ce? Un certain Claude Aubert, un fabricant de prêt-à-porter. Assez grosse situation, si j'ai bien compris. Vous avez fait faire une prise de sang? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le type revenait d'une soirée d'anniversaire et il a reconnu qu'il avait bu pas mal. Votre homme vient d'arriver, commissaire. Il est en train de se changer. Oh, parfait, amenez-le ici. Bien. Tenez, je vous laisse mes notes, vous compléterez. Je taperai le rapport demain. Bon, rien de spécial, pas de témoins? Non, plusieurs voitures sont arrivées quelques minutes après, mais sur le coup, l'endroit était désert. Tout de même bizarre qu'il ait pas freiné, non? Bah, il dit que tout s'est passé trop vite. Quand il a réalisé, la voiture plongeait déjà. Et comment est-il? Bah, plutôt effondré, évidemment. Vous avez envoyé quelqu'un chez les amis d'où il venait? Non, pour quoi faire? Ah, pour contrôler ses déclarations. Ah, ben vous, décidément, vous changerez jamais. Vous n'avez pas commencé à soupçonner ce pauvre type, non? Et pourquoi pas? Un crime camouflé en accident, ça commence toujours par ressembler à un accident. Et avouez que pour un bonhomme qui voudrait se débarrasser de sa femme, l'idée ne serait pas mauvaise. Bien trop hasardeux. Il avait toutes les chances d'y rester aussi. Ah non, pas d'accord. Défoncer une barrière et plonger dans la flotte, quand on le fait volontairement, c'est pas tellement risqué. Mmh. On fait le gros dos et on se cramponne. Ouais. Ouais, ben c'est pas pour dire, mais il y a vraiment des gens qui ont pas de chance. Il prend un bain forcé, il perd sa femme et en plus il tombe sur vous. Il aurait fait ça une heure plus tôt, il serait déjà en train de dormir dans sa cellule, conduite en état d'ivresse, homicide par imprudence et voilà tout. Enfin, cela dit, si ça vous amuse de chercher la petite bête... Ben, c'est pas que ça m'amuse, c'est ma méthode. J'attaque d'abord et puis j'observe. 9 fois sur 10, quand le type est coupable, il perd les pédales. Oui, possible. Seulement, quand il est innocent et que vous êtes allé trop loin, ça vous retombe sur le nez. Et voilà pourquoi vous ne serez jamais divisionnaire. Ça m'est égal, j'ai pas envie. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le boulot moi-même et de le faire bien. Bon, eh bien, vous ferez comme vous voudrez, mais ne comptez pas sur moi pour vous appuyer auprès du juge. Hein. Bon. Pour moi, c'est bel et bien un accident. Et... Monsieur Aubert, entrez. Merci, laissez-nous. Et monsieur Claude Aubert, commissaire Dubois. Monsieur. Commissaire. Merci, et vous? Merci. Mon collègue va vous prendre en charge et recueillir votre déposition. Comment ma déposition? Mais je vous ai tout dit, commissaire. Concernant l'accident, oui. Mais il reste quelques petites formalités administratives. N'oubliez pas que vous étiez ivre et que vous allez être présenté au parquet. Encore besoin de moi, Dubois? Non, merci, vous pouvez vous en aller. Je laisserai les papiers dans votre tiroir. Bon, très bien. À demain. À demain. Bonsoir, monsieur Aubert. Bonsoir, commissaire. À demain, vieux. Oui, à demain. Bon. Cigarette? Oui, volontiers. Les miennes sont restées au fond de la salle. Merci. Votre femme est morte. Je ne voudrais pas vous accabler, mais ça risque tout de même de vous coûter cher. La conduite en état d'ivresse, aujourd'hui, ça passe plutôt mal. Enfin, je n'étais pas ivre. J'avais bu pas mal, je le reconnais, mais enfin, je n'étais pas ivre. Oui, bien sûr. Du moment qu'on tient encore debout, on peut toujours conduire une voiture, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça, mais... Mais quoi? En sortant, je me sentais bien, je ne me suis pas rendu compte. Eh oui, c'est bien connu aussi. Ce n'est pas l'alcool qui saoule, c'est l'air qu'on aspire par-dessus. Vous pouviez pas prendre un taxi, non? Écoutez, commissaire, ma femme est morte par ma faute et tout le reste m'est bien égal. Alors mettez-moi en prison, faites ce que vous voulez, mais ne m'accablez pas, je vous en prie.
Je ne le sais que trop, que je n'ai pas d'excuses. Oh, du moment que vous en convenez, ça change tout. Évidemment. Lancel. Il vient de partir, commissaire, il avait terminé. Est-ce que vous avez de quoi faire du café? Oui, bien sûr. Bon, bah alors pour deux, bien fort et bien chaud. Tout de suite, commissaire. Bon, eh ben, commençons par le commencement. Votre identité complète. Vous vous appelez? Aubert, Claude Raymond, né à Dijon le 12 avril 1923. Domicile? Hameau de la Jonchère, Villa Les Loisirs, Allée Joséphine. Profession? Industriel. Confection pour dames. Mes bureaux sont à Paris, 121 boulevard Voltaire. Bien. Votre femme maintenant? Anne-Marie née Charpin, le 4 octobre 1926 à Paris. Mariée depuis? 15 ans. Sous quel régime? Communauté. Des enfants? Non. Donc vous héritez? Oui. Vous faisiez bon ménage? Excellent. Pas de mésentente, pas de tromperie? Non, non, non. Vous n'avez jamais eu de maîtresse? Je croyais qu'il s'agissait d'un interrogatoire d'identité, monsieur le commissaire. Ben, mettons que nous sommes passés aux généralités. Alors? Une ou deux aventures, mais sans importance. Une ou deux? Non, écoutez, je veux bien répondre, mais j'aimerais comprendre en quoi mes aventures passées peuvent... Vous avez raison, vous avez raison, laissons ça. Dites-moi simplement si vous avez une maîtresse. Enfin, actuellement, je veux dire. Je regrette, commissaire, mais qu'il s'agisse du présent ou du passé, je ne vois toujours pas la raison d'une pareille question. C'est pourtant simple. La disparition de votre femme pourrait vous arranger. Non, alors là, franchement, vous dépassez les bornes. Votre insinuation pourrait vous coûter cher. Toi, les soupçons font partie de notre travail, vous savez. Et ils nous mènent forcément à quelques insinuations. Je ne vous accuse pas d'avoir volontairement noyé votre femme, je dis seulement que cela n'eût pas été impossible. D'où ma curiosité. Bon, alors je répondrai à cette question, si on me la pose, lorsque je serai inculpé. Pour l'instant, je ne suis pas tenu de vous répondre. C'est effectivement votre droit. Je n'insiste pas. Votre femme savait-elle nager, monsieur Aubert? Ah non, malheureusement. Pourquoi, malheureusement? Si elle était évanouie, ça n'aurait pas changé grand-chose. Oui. Oui, vous avez raison, ma réponse est stupide. Par contre... Et puisque vous avez plongé à deux reprises pour essayer de dégager votre femme, je suppose que vous nagez très bien. Assez bien, oui. Et vous n'avez rien pu faire? Mais de nuit, par 5 mètres de fond, ce n'était pas facile. La première fois, je n'ai touché la voiture que trop tard, au moment de remonter. Et la seconde, je ne l'ai même pas retrouvée. Mmh. Mmh. Et vous ne voulez toujours pas me dire si vous avez une maîtresse? Vous êtes têtu. Très. Et particulièrement soupçonneux aussi. Mes collègues me taquinent là-dessus. Mais ils reconnaissent parfois que la méthode a du bon. Question de persévérance. Oui, je vois. Autrement dit, et devant n'importe quel accident, vous soupçonnez un crime. Et pourquoi pas? Lorsque ce n'est pas le cas, l'hypothèse tombe rapidement d'elle-même. Oh, en ce qui me concerne, ça m'étonnerait. Si je vous avoue avoir une maîtresse, je ne ferai sans doute que renforcer vos soupçons. Oh, n'exagérons rien. On peut avoir une maîtresse et tuer sa femme... accidentellement quand même. Mes soupçons, pour l'instant, sont tout à fait gratuits. Heureux de vous l'entendre dire. Mais je trouve quand même que vous allez un peu fort. C'est parfaitement désagréable. Bon, à votre place, je ne me plaindrai pas trop, monsieur Aubert. Que mes questions soient indiscrètes et désagréables, c'est possible. Mais vous avez du moins la chance de pouvoir les entendre, vous. Monsieur? Mademoiselle Yolande Weber? C'est moi, oui. Commissaire Dubois du 7e arrondissement. Je vous demande pardon de me présenter d'aussi bonne heure, mais il s'agit d'une affaire assez grave. Voici ma carte. Oui, bien, bien. Entrez. Merci, pardon. De quoi s'agit-il? D'un accident. Mais de quel accident? De qui parliez-vous? De monsieur Claude Aubert. Sa voiture a plongé dans la Seine cette nuit. Dans la Seine? Vous ne voulez pas dire qu'il est mort? Non. Mais sa femme, oui. Mon Dieu. Vous la connaissiez? Non, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Eh bien, mais
Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. C'est Monsieur Aubert qui vous a parlé de moi ? Après s'être fait quelque peu prier, oui. Dans ce cas, et si vous savez ce que je suis pour lui, vous devez bien vous douter que je ne connaissais pas sa femme. Ça ne me paraît pas évident, mademoiselle. Les hommes qui prennent pour maîtresse une amie de leur femme ne sont pas rares. Peut-être, mais ce n'était pas le cas. Bien. Je vous demande pardon, monsieur le commissaire, mais je ne saisis pas très bien le but de votre visite. Monsieur Aubert était pris de boisson lorsque l'accident est arrivé. Dans ces cas-là, nous procédons toujours à une petite enquête. Mais pourquoi auprès de moi ? Sa femme étant décédée, vous êtes probablement la personne qui connaît le mieux ses habitudes. Ah bon ? Eh bien, dans ce cas, je vous écoute, monsieur le commissaire. Depuis combien de temps étiez-vous l'ami de monsieur Aubert ? Il ne vous l'a pas dit ? Répondez-moi, je vous prie. 5 ans. Mmh. Il s'agit donc bien d'une liaison et non d'une simple aventure. Si vous voulez, oui. Puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie, mademoiselle ? Je suis interprète, indépendante. C'est-à-dire ? Je n'ai pas d'emploi fixe. Je travaille au gré de la demande. Ah. Je choisis de préférence des missions qui me font voyager. Et j'en profite pour faire également un petit peu de journalisme. Et cela vous suffit pour vivre ? Vous n'avez pas d'autres revenus ? Non. Vous êtes quoi ici ? Locataire, propriétaire ? Propriétaire, oui. Pardonnez-moi, monsieur le commissaire, mais je ne comprends vraiment pas la raison de toutes ces questions. Aucune importance. Est-ce que monsieur Aubert a l'habitude de boire beaucoup, mademoiselle ? Non, pas du tout. Il est plutôt sobre et ceci explique peut-être cela. Il ne supporte pas très bien l'alcool. Ah. Vous l'aimez ? Pardon ? Je vous demande si vous êtes amoureuse de lui. Mais oui. Nous entendons fort bien. Nous avons beaucoup de plaisir à être ensemble. Il n'a jamais envisagé de divorcer ? Non. Vous en êtes sûre ? Mais oui, certaine. Et cela vous est égal ? Je ne comprends pas. Quel âge avez-vous, mademoiselle ? 30 ans. 30 ans. Vous avez 30 ans, vous êtes depuis 5 ans l'ami d'un homme de 13 ans, votre aîné. Et vous ne souhaitez rien d'autre ? Je suis d'un caractère très indépendant. Je n'aime pas me lier trop solidement. Ni dans mon travail, ni dans mes affections. Cela répond-il à votre question ? Mais oui, certainement, mademoiselle. Inutile de vous fâcher. Je ne me fâche pas, je m'étonne, monsieur le commissaire. Passe encore pour les questions. Mais vous les posez sur un ton. Non, l'habitude, pardonnez-moi. Et ne m'en veuillez pas trop si je pousse un peu plus loin l'indiscrétion, mais... Je voudrais savoir si monsieur Aubert... est seul dans votre vie. Ah, non. Alors là, franchement, je... Non. Quoi, non ? Je ne vous répondrai pas. Et vous ne craignez pas que votre refus ne soit en lui-même une réponse ? Ah, bravo, c'est de mieux en mieux. Quand vous aurez fini de faire les demandes et les réponses, vous me direz vos conclusions. Je ne suis pas si prompt à conclure, rassurez-vous. Je me demande simplement, voyez-vous, si vous épouserez un jour, monsieur Aubert. Certainement pas. Parce que ? Parce que je vais quitter la France, définitivement. Je viens d'accepter un poste de rédactrice dans une revue canadienne. Ah ! Monsieur Aubert est au courant ? Mais oui, figurez-vous. Et il n'a pas essayé de vous retenir ? Il n'y a pas réussi, en tout cas. Il n'en avait peut-être pas les moyens. En face d'une femme libre, un homme marié est souvent bien handicapé. Écoutez, monsieur le commissaire, je ne suis pas complètement idiote... Il y a déjà un moment que je devine où vous voulez en venir. Alors posez vos questions franchement et je vous répondrai de même. Mais laissez-moi vous dire d'abord que vous faites fausse route. Votre supposition est aberrante. Parce que ? Parce que Claude Aubert n'a rien d'un assassin. C'est bien à quoi vous pensez, non ? Et que savez-vous des assassins, mademoiselle ? Mais... J'ai rencontré au cours de ma carrière pas mal de brutes qui n'avaient jamais tué personne. Et bien des êtres pacifiques qui étaient finalement devenus des meurtriers. Cela dit, mademoiselle, je ne vais pas vous importuner davantage et... une dernière question cependant. J'aimerais savoir de monsieur Aubert et de vous, lequel est le plus attaché à l'autre ? Désolé, mais je ne connais pas l'appareil à mesurer l'intensité des sentiments, commissaire. D'ailleurs... Oui ? Monsieur Aubert et moi ne sommes pas des enfants. Notre liaison n'a rien de passionnel. Nous prenons ce que la vie nous offre, sans demander l'impossible.
Êtes-vous bien sûr de pouvoir parler en son nom? Je crois le connaître suffisamment pour cela, oui. Et il y a longtemps que vous avez décidé de vous expatrier? Je me suis décidé il y a quelques mois. Mais j'y pensais depuis un certain temps. Quand partez-vous? Dès que j'aurai vendu mon appartement et réglé mes affaires. Pas avant quelques mois, probablement. Rien de définitif, en somme. J'attends d'avoir terminé un travail que j'ai entrepris. Cela vous suffit-il? Ou bien devrais-je encore vous prouver que ce travail existe? Non, pas la peine, mademoiselle, pas la peine. Je vais simplement noter l'adresse de cette revue où vous êtes attendue. Tiens, Dubois, le réparier. Ah, vous venez aux nouvelles? Il y en a un. Toute fraîche. Le juge lui a retiré son permis, mais il a décidé de le laisser en liberté provisoire. Il est rentré chez lui? Non. Non, j'avais encore quelques papiers à lui faire signer. Je lui ai demandé de revenir avec moi. Non, il attend à côté. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que vous mijotez encore? Rien. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas faire surveiller ses communications. Ça pourrait être intéressant. Mais je ne suis pas de votre avis. Si par extraordinaire, vous aviez raison, et s'il a vraiment provoqué cet accident, vous pensez tout de même pas qu'il est récemment inventé par téléphone, non? Non, bien sûr. Bien sûr, on ne sait jamais. Il y a parfois des petits mots qui en disent long. Mais enfin, de toute façon, les tables d'écoute, ce n'est pas notre rayon. Alors, vous avez vu sa petite amie? Tout à l'heure, oui. Alors? Une drôle de fille. Hein? Pas vraiment belle, mais sûrement attachante. Le genre de femme qu'on ne doit pas perdre volontiers. Dites non, hein. Venant de vous, c'est un compliment. Oui. Oh, on peut admirer un fauve sans avoir envie d'entrer dans la cage. Mais diable, vous me donnez envie de la connaître. Et dites-moi, Renard. Oui. Est-ce que ça vous ennuierait de me laisser en terminer avec lui? Encore? Mais qu'est-ce que vous en espérez? Oh, rien de très précis. J'ai envie de l'observer encore un peu, c'est tout. Mais vous ne désarmez pas, hein? Non. Bon, eh bien, comme vous voudrez. Tenez, voici les papiers. Bon. Vous le faites signer ici et là, sur les deux exemplaires. Ouais. Moi, je vais en profiter pour faire une petite course. Mais si vous voulez mon avis, hein, ben, vous perdez votre temps. Oh, c'est probable, en effet. Et comment ça, probable? Je ne sais pas trop pourquoi, mais depuis que j'ai vu cette femme, je suis persuadé d'avoir raison. Aubert a bel et bien lancé sa voiture dans la Seine en escomptant la noyade de sa femme. Malheureusement, pour ce qui est de le prouver, ça sera sans doute une autre histoire. Et le crime parfait, alors? Le crime, oui, peut-être. Mais sûrement pas l'assassin. Que voulez-vous dire? Et si Aubert a tué sa femme pour ne pas perdre sa maîtresse? Il a dû le faire avec cette détermination farouche qu'ont généralement les faibles lorsqu'ils passent à l'action. Seulement, une fois l'action accomplie et la fièvre retombée, le vrai bonhomme refait surface. Et là, je vous parie tout ce que vous voudrez qu'il tiendra pas le coup. Écoutez, Dubois, écoutez-moi, n'exagérez pas, hein. Moi, je veux bien vous laisser la place et que vous bavardiez 5 minutes avec lui, mais rien de plus. Il est ici de son plein gré. Nous n'avons aucun motif pour le retenir et rien qui nous permette de passer l'affaire à la judiciaire. Bon, alors, allez-y doucement, hein, je vous en prie. Ben oui, rassurez-vous. J'ai pas l'intention de le bousculer, au contraire même. Mais comment ça, au contraire? Je vous expliquerai plus tard, allez faire votre course. Et prenez votre temps, je suis pas pressé. Bon, à tout à l'heure. Oui, hein. C'est ça, à tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, mon bonhomme, à nous deux. Monsieur Aubert, s'il vous plaît, par ici. Oui, le commissaire Renard a dû s'absenter, il m'a prié de le remplacer. Asseyez-vous. Merci. Fatigué? Ça vous étonne? Non, bien sûr. Ça vaut tout de même mieux que d'être resté au fond de la Seine. Écoutez, vous n'allez pas recommencer, hein. Je suis revenu ici pour signer les papiers, je n'y étais même pas obligé. Oui, je sais. D'ailleurs, je voulais vous prier de m'excuser pour cette nuit. Enfin, pour mes soupçons, je veux dire. Ah? Vous avez changé d'avis? Oui. J'aime autant ça. Même quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas très agréable, les soupçons. Surtout les miens, je suppose. Quand je m'y mets, je suis plutôt têtu. Oui, c'est ce qu'il m'a semblé, en effet. Notez que ce n'était pas simple caprice de ma part.
En fait, et si je n'avais pas retrouvé un témoin de l'accident, j'en serais peut-être encore à vous soupçonner. Un témoin? Ouais. Un clochard qui dort régulièrement sous le pont à deux pas de là. Comme il n'avait pas très envie de témoigner, il a filé en douce. Mais je me doutais bien qu'il devait se trouver par là. Non, je comprends pas. Vous voulez dire que... Vous l'avez fait rechercher tout exprès? Non, ce genre-là, vous savez... Quand ils ont l'habitude d'un quartier, ils ne vont jamais très loin. Tenez, si vous voulez lire d'abord. Non, non, c'est pas la peine, je vous fais confiance. Ah bon, bah alors vous signez là et là, sur les deux feuilles. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon clochard qui vous intrigue? Un peu, oui, je l'avoue. Je ne vois pas très bien ce que vous espériez. Ouais, du moment que tout s'est passé comme vous le dites, rien, évidemment. Mais si mes soupçons avaient été fondés, si vous aviez réellement provoqué cet accident, il aurait pu remarquer quelque chose. Mais quoi donc? Ben, ce que je sais, moi. Vous auriez pu ouvrir votre porte pour vous préparer à sauter. Ou encore donner un coup de volant visiblement volontaire. Enfin, bref, ça n'était pas le cas. Alors, je ne veux pas vous retenir davantage. Vous êtes libre, monsieur Aubert. Pour l'instant, du moins. Que voulez-vous dire, pour l'instant? Mais rien que ce que je dis. Vous allez être appelé en correctionnel. Et vous risquez fort d'y récolter quelques mois de prison ferme. C'est tout. Et à quoi pensiez-vous donc, monsieur Aubert? Mais asseyez-vous donc, monsieur le commissaire, je vous en prie. Je serais ravie de pouvoir vous aider. J'adore les romans policiers. Je crains fort de vous décevoir, madame. Il s'agit d'un accident et je n'ai à vous poser que quelques questions de routine. Oh, c'est presque dommage. S'il ne s'agissait pas de ce cher Claude, je le regretterais franchement. Que puis-je vous offrir, monsieur le commissaire? Rien, je vous remercie. Oh, vraiment? Vraiment. Eh bien, tant pis alors. Questionnez-moi. Si je puis être de quelque utilité à ce pauvre Claude... J'ignore si M. Aubert est tellement à plaindre, mais je vous rappelle tout de même que c'est sa femme qui est morte. Eh oui, bien sûr. Pauvre Anne-Marie. Quand je pense qu'il n'y a même pas 3 jours, elle était là, dans son... Vous donniez une soirée, je crois. Oui, pour mon anniversaire, oui. Ah, Dieu merci, nous n'avons pas su l'accident le soir même. La soirée n'était pas terminée, c'eût été une catastrophe. Autrement dit, M. Aubert et sa femme sont partis avant la fin. Oh, bien avant, oui. Je ne sais pas ce qu'avait Claude, mais il ne semblait pas être dans son assiette. Anne-Marie serait volontiers demeurée, j'en suis sûre. Est-ce que M. Aubert a beaucoup bu? Ah non, non, alors là, commissaire, je suis ravie que vous me posiez la question. Les journaux ont écrit que Claude était ivre et je trouve ça scandaleux. Je puis vous certifier qu'il n'était pas plus ivre que vous ou moi. D'ailleurs, c'est bien simple. Je peux vous dire exactement ce qu'il a bu. 4 scotch, c'est tout. Bah, pour quelqu'un qui n'est pas resté longtemps, c'est peut-être beaucoup, vous ne trouvez pas? Mais non, voyons, vous plaisanter. Encore que... Oui? Bah, pour Claude, oui, c'était peut-être beaucoup. Généralement, il ne boit que de l'eau ou des jus de fruits. Et ce changement dans ses habitudes ne vous a pas surprise? Non. En êtes-vous bien sûr? Ma foi, attendez. Et maintenant que vous m'y faites penser, si. Je lui ai même demandé depuis quand il aimait le whisky. Et que vous a-t-il répondu? Que j'étais trop belle pour que l'on fête à mon anniversaire avec de l'eau. C'était gentil, non? Mais oui, madame, très gentil. D'ailleurs, tout le monde a applaudi et chacun a voulu boire en mon honneur. Ah, bon, ça n'était donc pas un compliment chuchoté, si je comprends bien. Oh non, ça on ne peut pas dire. Il aurait voulu attirer l'attention sur moi, il ne s'y serait pas pris autrement. Il y a longtemps que les Aubert sont vos amis? Plusieurs années, oui. Est-ce qu'ils s'entendaient bien? Mais oui, très bien. Pourquoi cette question? Oh, pour rien, madame, pour rien. Simple question de routine, je vous l'ai dit. Ben, il ne me reste plus qu'à... Mais vous n'allez pas partir déjà, monsieur le commissaire? Je ne vous ai encore rien dit. Thank you.
tard. Ah, bah tout de même, je croyais que tu m'avais dit 10 heures. Mais je viens du bureau, j'ai été retardé. Oh. Puis j'ai dû faire un détour, j'ai l'impression d'avoir été suivi. Suivi? Oui, enfin, je sais pas, je suis pas sûr, mais... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, donnez-moi, je sais pas, moi... Donnez-moi un scotch, tiens. Quelle marque, monsieur? Ce que vous voudrez, ça n'a pas d'importance. Tiens, monsieur. Eh ben, bravo, c'est un drôle détail. Donne-moi du feu. Oui, tiens. Merci. Alors, pourrais-je savoir maintenant à quoi rime ce rendez-vous ridicule? Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi? Mais la police me surveille, enfin, je crois. Oh, alors, ça, c'est un con. Tu leur parles de moi, tu leur donnes mon nom, mon adresse, et ensuite, tu ne me connais plus. Tu voudrais leur donner des soupçons que tu ne t'y prendrais pas autrement. Oh, quant à ça, j'ai pas eu besoin de leur en donner. Il a fallu que je tombe sur le seul type qui soupçonne tout le monde en vrac, comme ça, pour rien, au hasard. Le commissaire Dubois, je sais. Il est venu me voir. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'allais partir pour le Canada, et que toi et moi, c'était pratiquement terminé. Seulement, il m'a pas cru. Il s'est empressé de télégraphier là-bas. Et alors? Mon amie s'est méfiée, heureusement. Elle a répondu que j'étais effectivement attendue, mais que la date n'était pas encore fixée. Mais elle t'a écrit tout ça? Mais non. Écoute, elle m'a simplement fait tenir un double de sa réponse. Mais d'ailleurs, tu te fais des idées. Ni mon téléphone, ni mon courrier ne sont surveillés. Oh, qu'est-ce que tu en sais? Je me suis renseignée. Ton commissaire de quartier n'a aucun pouvoir pour ce genre de choses. S'il te soupçonne et s'il veut que l'enquête aille plus loin, il doit passer l'affaire à la PJ. Ça, officiellement, oui, mais rien ne l'empêche de continuer tout seul. Ce type, c'est un vrai maniaque, une sangsue. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il... Fais attention. Ah, oui. Un peu de glace, monsieur? Oui, ça va, laissez, je me servirai. Bien, monsieur. Merci. Mais tu sais ce que je ferais si j'étais toi? Je partirais me reposer. Si tu restes là, tu finiras par faire une bêtise. Oui. Elle est faite, la bêtise. Elle est faite depuis 5 jours. Ah, je donnerais 10 ans de ma vie pour pouvoir revenir en arrière. Oh, mon pauvre Claude, si tu n'étais pas capable... Oh non, tais-toi, je t'en prie. Je sais pas de quoi tu parles. Enfin, je comprends pas. De quoi tu peux... D'un clochard. Quoi? Oui, d'un type qui était là, sous le pont, et qui a vu l'accident. Et Dubois l'a retrouvé. Et alors? Ben alors rien, c'est tout. Encore Dubois, il n'aurait rien vu d'anormal. Ah, qu'est-ce qui te fait peur alors? Hier au cimetière, ce type était là, planté devant l'entrée. Il n'a pas bougé, pas fait un geste. Seulement, il avait un petit sourire en coin. Il me regardait. Tu l'avais déjà vu? Vous avez confronté? Non. Comment peux-tu savoir que c'était lui alors? Qui te dit que c'était pas n'importe quel clochard en train de regarder un enterrement? Eh bien, c'est tout d'abord ce que je me suis dit. Seulement, ce matin, quand j'ai ouvert ma fenêtre, il était là, en train de rôder autour de la villa. Et tu n'as pas essayé? Mais si, pas tout de suite, à cause de ma femme de ménage. Je l'ai retrouvé un peu plus tard, en partant. Et alors? Mais alors, je lui demandais ce qu'il voulait, pourquoi il était toujours là, sur mon chemin. Alors, il s'est mis à rire et il a bredouillé quelque chose à propos d'accident, de témoignage... Puis il m'a dit que, d'après le commissaire, je lui devais une fière chandelle et qu'à son avis, ça méritait bien une petite récompense. Mais tu lui as rien donné, j'espère. Il m'en a pas laissé le temps. Disant que c'était pas la peine de sortir mon portefeuille, que je n'avais sûrement pas assez sur moi. Oui, alors? Enfin, parle, voyons. Il doit revenir ce soir, après 10 heures. Mais tu vas pas le recevoir, ce serait de la folie. J'ai besoin d'en avoir le cœur net, besoin de savoir s'il a vraiment vu quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il ait vu? Est-ce que je sais, moi? Il a pu remarquer que je ne roulais pas aussi vite que je l'ai prétendu. Et quand bien même, qu'est-ce que ça prouverait? C'est pas avec ça qu'on va t'inculper. Mais non, ce type n'a rien vu, crois-moi, rien. Et il essaie de... Oh. Ouais. Ou alors c'est un piège? Comment c'est un piège? Et pourquoi pas? Il te fait chanter, tu cèdes, et il court prévenir la police. Ah oui, mais où serait son intérêt? Ah, la question n'est pas là. Non, tu vas partir ce soir, Claude. Et sans même rentrer chez toi, tu sautes dans le premier avion pour Nice et tu t'installes au bord de la mer pour 8 ou 10 jours. Le temps de te calmer. Non, le juge m'a interdit de quitter Paris sans prévenir. Mais téléphone à Dubois. Dis-lui que tu pars te reposer. Ça n'a rien d'anormal, après tout. Après tout, non. Seulement pour ce qui est de me reposer. Je voudrais que tu t'en ailles, Yolande. Que je m'en aille? Définitivement.
Mais ça vaudra mieux. De toute façon, toi et moi, c'est bien fini maintenant. Dites donc, Dubois, qu'est-ce que c'est que ce micmac, hein? Vous croyez pas que vous allez un peu fort? De quoi parlez-vous, mon cher? Ouais, c'est ça, c'est ça. Faites l'innocent. L'Ancel est à côté, déguisé en clochard et en train de se faire une tête. Hein? Qu'est-ce que vous êtes encore en train de maligancer? Rien de très grave, rassurez-vous. Vous savez bien que l'Ancel adore se déguiser. Oui, oui, je sais. Ça. Et il le fait d'autant plus volontiers qu'on lui en donne l'ordre. Ah non, non, là je vous arrête. Il a terminé son service il y a une demi-heure. Moi aussi, d'ailleurs. Mais décidément, je vous ai toujours vu coriace, mais alors là... Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, Aubert? Vous avez une dent contre lui ou quoi? Je n'aime pas les assassins qui se promènent en liberté, c'est tout. Et comme en plus je suis policier... Mais la question n'est pas là. C'est très joli d'avoir une conviction et même de découvrir des mobiles, mais encore faut-il avoir un semblant de preuve. Oh, j'en ai plus qu'il ne m'en faut. Quoi? Malheureusement, elles ne sont encore que morales. Oui, c'est bien ce que je dis. Du vent. Ah, non, je ne suis pas de votre avis. Quand on sait qu'un homme est un assassin, on a déjà sur lui une supériorité certaine. Et lorsque le sujet est particulièrement impressionnable, ce qui est le cas du sieur Aubert, eh ben on doit pouvoir en profiter. Et qu'est-ce que c'est au juste, vos fameuses preuves, on peut savoir? Oui, je lui ai raconté que j'avais retrouvé un témoin de l'accident, un clochard qui se trouvait là. Il ne m'a cru qu'à demi, mais c'était suffisant et ses réactions sont très intéressantes. Il n'ose même pas rencontrer sa maîtresse au grand jour, il lui a donné rendez-vous dans un bar. Ah bon? Ah, parce qu'en plus, vous le faites suivre. Oh, juste une fois, et assez maladroitement pour qu'il s'en aperçoive. Mais vous voulez l'affoler, c'est ça? C'est ça, ouais, oui, c'est ça. C'est même chose faite, et le moment est venu de récolter ce que nous avons semé. Un bon gros paquet de billets, probablement. Vous comptez lui faire ça au chantage? Exactement. Mais vous êtes tombé sur la tête, c'est de la provocation. Aucun magistrat ne marchera. Je n'ai pas l'intention de m'en tenir là, rassurez-vous. Quand il aura commis l'erreur de payer, ce sera mon tour d'entrer en scène. Si tout se passe comme je l'espère, j'aurai ses aveux complets avant minuit. Mmh. Et la fille? Ah, ça c'est une autre histoire. Même si j'obtiens les aveux de mon bonhomme, rien ne prouve qu'il la mettra dans le bain. Et vous croyez qu'elle était au courant? Pour tout vous dire, je ne serais pas étonné que l'idée soit venue d'elle. Mmh. Le coup de la voiture dans la flotte, en fin de compte, je trouve ça plutôt féminin. Ben, décidément, je crois que vous faites bien de rester célibataire, hein. Avec votre manie de soupçonner tout le monde, si vous aviez une femme à la maison, vous seriez franchement débordé. Allô, Air France? Passez-moi la réservation. Hein? Non, 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 pour l'intérieur, Nice ou Marseille. Allô, la réservation? Bon, est-ce que vous avez un... Non, non, et que... Non, merci, mademoiselle, je rappellerai. Toi? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'avais dit... Je sais, oui, mais je ne suis pas d'accord. Laisse-moi entrer. Mais non! Tu préfères que j'attende ici? Mais attendre quoi? Qu'est-ce que tu veux? Voir ton clochard, il m'intéresse. Bon, écoute, va-t'en, je t'en prie. Non, ça... referme la porte si tu veux, je reste là. Bon, alors rentre. Après tout, si la maison est surveillée, il est déjà trop tard pour que tu fasses de demi-tour, probablement. Décidément, tu es parfait. Tu meurs de peur. Tu penses que la maison est peut-être surveillée, mais tu t'apprêtes quand même à recevoir ce type. Tu es inconscient ou écoute, quoi? Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu veux? Voir ton visiteur, je viens de te le dire. Et cesse de trembler, je t'en prie. J'ai laissé ma voiture assez loin et j'ai fait plusieurs fois le tour de la maison. Il n'y a personne, pas un chat. Eh oui, bien sûr, tu as sans doute exploré chaque buisson. Écoute-moi aussi. Écoute-moi bien, Claude. Il est 9h30. Et ce type t'a dit qu'il viendrait après 10h. Nous avons le temps de parler. Mais j'ai rien à te dire. Ça tombe très bien, tu vas pouvoir m'écouter. Tiens, tu bois du cognac maintenant? Donne-moi un verre. Oui. Merci. Je n'ai pas cessé de réfléchir depuis tout à l'heure. J'ai eu tort de te laisser revenir ici.
J'aurais dû te mettre de force dans le train ou dans l'avion. Je vais partir demain. Et il sera trop tard. Mais maintenant, il est encore temps. Tu fermes la maison et je t'emmène à la gare. Non. Je t'en supplie, Claude. Écoute-moi et tâche de comprendre. Même si ce n'est pas un piège, et même si ce type essaie simplement de profiter de la situation, tu ne peux pas lui donner de l'argent. Si tu le faisais, ce serait signer une lettre d'aveu, ni plus ni moins. Mais partir aussi, ce serait avoué. Je partirai demain, mais je préviendrai le juge d'abord. Et ce soir, qu'est-ce que tu comptes faire? Donner de l'argent à cet homme? Quand j'aurai parlé avec lui, peut-être. Et quand je saurai ce qu'il a vu. Oh, mais tu ne comprends donc pas que ça n'a aucune importance. Qu'il ait vu ou non quelque chose ne signifie rien, ne prouve rien. Par contre, si tu lui donnes de l'argent, et même s'il ne va pas directement à la police, il se fera prendre, c'est sûr. Comment ça, il se fera prendre? Mais qu'est-ce que tu comptes lui donner? Oh, je sais pas. Ça dépendra. 10 ou 20 000 francs, peut-être. Nouveau? Ah oui, évidemment, nouveau. Mais tu es fou, mais tu es complètement fou. Là, tu imagines un clochard en train de se promener avec 1 ou 2 millions sur lui, et en dépensant à tort et à travers? Oui, j'y ai pensé, mais je ne lui donnerai d'argent qu'à une condition, c'est qu'il se tienne tranquille pendant quelque temps. Puis qu'ensuite, il quitte Paris. Tu ne lui donneras rien, Claude. Mais... pas un sou, c'est pour ça que je suis venu. Nous allons lui faire peur. Oh, ma pauvre Yolande. Avant de faire peur aux gens, il faudrait peut-être commencer par ne pas trembler toi-même. Dans le fond, tu te fiches pas mal de ce qui peut m'arriver. Hein? Tu n'as qu'une seule crainte, que je craque et que je t'entraîne avec moi. Que tu m'entraînes? Oui. Seront considérés comme complices d'un crime et punis de la même peine ceux qui auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre. Articles 59 et 60 du Code pénal. Oh, j'ai contrôlé tout à l'heure. Ainsi, tu en es là. Oh non. Détrompe-toi, ce n'est pas ce que tu penses. S'il faut payer, je paierai seul. Je ne veux plus rien partager avec toi. Même pas ça. Que tu le veuilles ou non, nous partageons le même danger. C'est bien ce que tu viens de dire, non? Non. Quoi qu'il arrive, je te laisserai en dehors. Seulement, va-t'en. Va-t'en. Laisse-moi régler cette affaire-là tout seul. Non. Dans l'état où tu es actuellement, tu... Je suis capable de tout déballer, comme on dit vulgairement. C'est ça? C'est ça, oui. Eh bien, pour la dernière fois, rassure-toi. Rien que pour ne plus te voir, fût-ce dans le box des accusés, je dirai rien. Écoute-moi, Claude. Oui. Je comprends ce que tu peux ressentir. Mais il faut réagir. La police n'a rien contre toi. Elle ne peut rien. Le seul danger vient de cet homme. Et encore, il ne sera véritablement dangereux que lorsque tu auras cédé à son chantage. Eh ben, nous verrons bien. Si tu ne t'étais pas affolé, d'ailleurs, nous n'en serions pas là. Oh oui, bien sûr. Oh oui. Et si je t'avais gratifié d'une bonne paire de gifles au lieu de t'écouter, Anne-Marie serait encore vivante. Ah, bon. Bon, je vois. Encore un peu, je serais sans doute la seule responsable. Oh non, mais non. Ce n'est pas de ta faute si je suis un lâche, un imbécile. Ah, dire qu'il aura fallu que je tue ma femme pour comprendre enfin ce qu'elle était, un être simple, droit, incapable d'imaginer le mal. Et crois-tu que ce soit bien le moment de l'évoquer? Oh, ben, tu es la seule devant qui je puisse en parler, hélas. Eh bien, va. Dénonce-toi. Qu'est-ce que tu attends? Tu pourras en parler aux policiers, aux juges, à tes avocats et même aux journalistes. Ils feront de toi une vraie vedette, les journalistes. Tu leur expliqueras que tu étais la victime d'une affreuse bonne femme. Et il se trouvera des gens pour te plaindre. Sans compter qu'avec 2 ou 3 ténors du barreau, et tu as les moyens de t'offrir les meilleurs, tu t'en tireras peut-être avec le minimum. Eh ben oui, je suis injuste. Tu as raison, et c'est encore un effet de ma lâcheté. Si j'avais pas tellement peur, si j'étais sûr de pouvoir échapper, ce serait peut-être différent. Oh, pas pour toi et pour moi, non, ça. Toi et moi, c'est bien fini. Seulement, je pourrais peut-être... Qu'est-ce que c'était, ton idée? Mon idée? Oui, ton idée pour faire peur à cet homme. C'était ça? T'es folle? Oh! Il ne s'agit pas de le tuer, rassure-toi. Il suffirait de lui faire croire que tu en es capable, c'est tout. Enfin, où as-tu pris ce revolver? C'est
Souvenir d'un homme qui voulait se tuer pour moi. Il est parti avec une autre. Il m'a laissé le revolver. Mais... il est chargé? Évidemment, il est chargé. Regarde-moi, Yolande. Tu mens, hein? Ce n'est pas pour faire peur que tu as apporté cette arme, c'est pour tuer... Tu es fou. Oh non, je ne suis pas fou, hein? Je te connais bien. Tu n'as pas cessé de penser à cet homme. Tu me l'as dit il y a un instant, et t'as fini par conclure qu'après tout, ça n'était qu'un clochard. Ça n'a pas de famille, pour ainsi dire, pas d'amis, un clochard. Ça doit pouvoir disparaître sans même qu'on s'en aperçoive. C'est bien ça, hein? Et mais avoue! Non. Moi, j'y ai pensé, c'est vrai. Mais pas longtemps. Même si nous pouvions le faire disparaître sans risque, et rien n'est moins sûr, ce ne serait pas une solution. Alors pourquoi as-tu apporté cette arme? Je ne sais pas. Peut-être... peut-être pour te tuer, toi. Afin que je ne parle pas? Oh non. Oh non. Si je l'avais fait, si j'avais tiré sur toi, j'aurais été tout droit à la police. Je comprends pas, Yolande. Je t'en veux, Claude. Je t'en veux terriblement. Tu n'es sans doute pas plus lâche que la plupart des hommes, mais c'est déjà beaucoup. C'est ce que je n'arrive pas à te pardonner. Je t'en veux de n'avoir pas été différent. Différent? Oui. Je t'ai aimé, Claude. Quoi que tu en penses. Et j'ai espéré longtemps. Espéré quoi? Qu'un jour, peut-être, tu serais moins lâche, précisément. Je sais bien que c'est moi qui t'ai proposé cette chose insensée, mais... Mais si tu m'avais giflé, comme tu viens de le dire, peut-être que... Oh. Oh, et puis non, à quoi bon, si tu m'avais giflé? Je ne serais pas l'homme que tu es. Allez, va-t'en maintenant, je t'en prie. Non. Il est trop tard. Trop tard? Je crois que je commence à me rendre compte, moi aussi. De quoi donc? De ce que nous avons fait. Par égoïsme. Afin de poursuivre je ne sais quelle chimère, nous avons sacrifié la vie d'un être, délibérément. D'une façon ou d'une autre, il va falloir payer. Tu as déjà commencé, d'ailleurs. Oui. Aide-moi, Claude. Tu as un revolver dans la main, c'est facile? Non. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu vas te livrer, je le sais. Et sans doute est-ce la seule chose à faire, mais moi... Tu ne paieras pas plus cher pour deux que pour une. Peut-être même, au contraire. Eh ben non, tu vois. Tu vois, pour ça aussi, il est trop tard. On n'y va pas, n'ouvre pas, je t'en prie. Mais... à quoi bon? Écoute, c'est probablement ridicule, mais j'ai envie de savoir. Avant d'appeler la police, je voudrais savoir si j'aurais pu m'en tirer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ben, je suis à l'heure, vous voyez. Oui. Mais vous arrivez quand même trop tard. Comment ça, trop tard? Yolande! Bon Dieu! Vite! Patron, vite! Yolande! Yolande! Alors, monsieur Aubert? Oh, c'est inutile, commissaire. Elle est morte. Il faudra vous contenter d'un seul coupable.